des guerres, des frontières, des écrivains, c'est la règle de trois de Olivier Weber. Les guerres, pendant 25 ans, il les a couvertes en tant que correspondant pour le Sunday Times, le Guardian, Libération et Le Point. Plus d'une vingtaine de conflits, Érythrée, Sahara Occidental, Kosovo, Iran-Irak, Tchétchénie, mais aussi Afghanistan, où il a été très impressionné par le commandant Massoud. Le commandant, on s'en souvient, a été assassiné par Al-Qaïda deux jours avant les attentats du 11 septembre. Olivier Weber lui a rendu hommage en 2013 avec son roman La Confession de Massoud. Pendant toutes ces années de reporter de guerre, Olivier Weber cherche, comme disait Malraux, cette région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Mais cette quête n'est pas sans conséquences personnelles. Un jour, son fils de 10 ans lui dit qu'il a une bête noire dans le corps. La bête noire, ce sont les horreurs dont il a été témoin. Il mettra 20 ans à expurger cette douleur de la guerre. À force de parcourir le monde, les frontières finissent par exercer sur lui une sorte de fascination. En 2016, il raconte les rencontres étonnantes, intéressantes qu'il y fait. Iran-Irak, Afghanistan-Pakistan, Chine-Macao ou encore Suriname-Guyane française, où il fait la connaissance d'un pasteur peu orthodoxe. Le pasteur Abimael, qui est un pasteur qui fait au moins 130 kilos et qui était devenu finalement non seulement un régisseur des âmes qu'il prétend sauver, mais aussi lui-même un trafiquant d'or. Les écrivains, et en particulier Joseph Kessel, l'accompagnent en permanence. Lors de ses voyages, il emporte peu de vêtements et beaucoup de livres, Hemingway, Dos Passos, Cervantes. Parmi la trentaine d'ouvrages qu'il a écrits, Olivier Weber a consacré des biographies à de nombreux auteurs, journalistes, voyageurs, aventuriers, dont un à Joseph Kessel, le témoin parmi les hommes, celui qu'il considère comme un grand frère. Dans un voyage, bien sûr, je suis ému par les grands paysages, mais ce que je cherche surtout, ce sont les gens. Olivier Weber publie son dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Selon lui, nous avons tous au fond de nous une nostalgie des origines, celle des peuples nomades qui ont été sédentarisés. Olivier Weber, le voilà, ce dictionnaire amoureux absolument passionnant sur Joseph Kessel. Comment vous le définiriez? Une vitalité hors norme, un goût profond de la fraternité, puis une fêlure aussi? Oui, une fêlure, quelqu'un qui se sentait coupable d'avoir perdu son frère, qui s'est suicidé quelques heures après un petit déjeuner, alors que lui avait 22 ans et qu'ils étaient à Paris. Et puis, je dirais, un témoin parmi les hommes. C'est d'ailleurs le titre d'une compilation de tous ces reportages. Et c'est un titre magnifique, parce que qu'est-ce qu'on est souvent quand on est écrivain, journaliste, reporter, enseignant, bibliothécaire, documentaliste, et quelquefois simplement parent, c'est qu'on transmet, parce qu'on a reçu nous-mêmes. Et voilà, j'aime bien cette définition, témoin parmi les hommes, parce que voilà, moi j'ai beaucoup reçu dans mes montagnes très jeune, quand j'ai pu lire à l'âge de 8 ans ou 9 ans, mais quand, oui. j'ai envie de transmettre aussi, j'ai envie de transmettre aux autres. Voilà, alors soit sous la forme de reportage, soit sous la forme de roman. Donc pour répondre à votre question, c'est un témoin parmi les hommes, et en même temps c'est un écrivain visionnaire, voire voyeur. Et ce n'est pas que un dictionnaire amoureux. Oui, voyeur. Moi j'avais appelé donc le Lucien Baudard, que vous aviez montré tout à l'heure, le voyeur salarié, qui est un petit peu une analogie à ce qu'on disait dans les années 30, le flâneur salarié, la remarque d'Henri Béraud, grand camarade d'Albert Londres. Mais je dirais que le livre, c'est 60% sur Kessel et 40% sur le roman d'aujourd'hui, l'aventure d'aujourd'hui, l'expédition d'aujourd'hui, et donc le reportage. Et pour moi, c'est la même chose. On est dans la même alchimie littéraire. Benjamin ? Quand on est jeune, on lit Le Lion de Joseph Kessel, c'est dans les programmes scolaires. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur, justement, de l'œuvre de Kessel? Qu'est-ce que vous mettriez, vous, dans les programmes scolaires aujourd'hui? Alors oui, c'est une très bonne question. Je mettrai quand même Le Lion, parce que c'est un peu réducteur, mais en même temps, il faut le lire deux fois ou trois fois, comme L'Appel de la forêt de Jack London, dont le titre est d'ailleurs réducteur, parce que c'est plus L'Appel du sauvage, Call of the Wild en anglais. Et ce sont deux livres éminemment philosophiques, Le Lion de Kessel et L'Appel de la forêt. Et il faut relire ces grands auteurs, parce qu'à différentes années de votre vie, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est totalement différent. Et je dirais que pour Joseph Kessel, comme pour Conrad, que vous aviez mentionné, et Jack London, ce sont des écrivains du malentendu. C'est-à-dire qu'on les a présentés comme étant des écrivains du grand dehors uniquement, de l'aventure du barreau, oui. Mais l'aventure, le barreau, ne servent que de prétexte. Comme alibi, en fait, à la vraie aventure qui va, et c'est celle de l'âme, notre âme, donc les tréfonds de la culpabilité, les tréfonds de la passion, etc. Et donc voilà, Kessel est là-dedans à 100%, et c'est ce que j'aime dans la littérature. Joseph Kessel, lors d'une interview, a répondu à une question, quelle est votre définition du journalisme? Il a dit, c'est l'école du romancier. Est-ce que ça veut dire que le journalisme est un moyen et non pas une fin? Et que la fin, au sens noble, c'est le roman? Moi, je dirais ça, parce qu'en fait... qu'on soit dans le réel, donc c'est-à-dire le documenté, le factuel, c'est-à-dire le reportage ou le roman,
on essaie d'expliquer ou de décrypter le monde. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer à travers ces 300 entrées dans le livre, parce que j'écris des romans également, et j'ai plus appris par les romans sur certains conflits ou sur la mondialisation que par les essais. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, le réel ne suffit plus. On n'a pas assez d'informations, on a trop d'informations. Oui. Je pense qu'on s'estime, vous êtes sûrement d'accord, surinformé. En fait, on est trop souvent surinformé. Souvent une saturation. Et puis, il y a des agrégats comme la vitesse qu'on sous-estime totalement. Oui. Et tout d'un coup, il faut la lenteur. Donc, il faut faire des livres ou des reportages de 300 feuillets. Et donc, oui, pour moi, le roman est là. Et je dirais qu'il y a une sorte d'osmose, on va dire, ou de frontière très floue, flottement entre les deux, entre le factuel, on va dire, le reportage, et puis le roman. Et ça nous permet non seulement de décrypter, d'analyser le monde, mais aussi de, quelque part, de réenchanter. Ça peut nous servir aussi. Alors, on va évoquer un autre problème. Il y a la fiction, il y a la réalité, et puis il y a la post-vérité. Nadia, on en parle parce qu'il y a eu une sorte d'initiative gouvernementale aujourd'hui. Oui, les infox et les fake news, et dans le cadre de la lutte contre ces infox, le gouvernement français a dégainé hier un projet assez étrange. C'est le secrétaire d'État au numérique qui s'appelle Cédric O. Il a réclamé hier donc un conseil de l'ordre des journalistes. Dans le détail, je vais le citer, il veut des journalistes qui parlent entre eux, qui prennent des décisions et qui disent à l'État, vous devez retirer l'agrément de tel ou tel canard et mettre des avertissements. Il a promis que si les journalistes ne s'y pliaient pas, c'est l'État qui allait le faire, qu'il allait sanctionner tel et tel média s'il juge qu'il propage des fake news. Il s'est repris, Cédric O, il y a quelques instants. Il regrette ses paroles qu'il qualifie de malheureuses. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une espèce de tentation sous couvert de lutter contre les fake news, peut-être de contrôle. Est-ce qu'effectivement la frontière est mince entre la lutte contre la post-vérité et la mainmise sur les médias ? Oui, c'est une très bonne question parce que, évidemment, on a tous vu qu'il y a des possibilités de faire monter la haine à travers les fake news et les réseaux sociaux. C'est très facile. À partir du moment où vous avez une fake news, ça passe, ou une information sur la haine, le racisme, etc., ça se propage très, très vite, effectivement. Donc après, c'est difficile de l'enlever. Et ça rentre dans les esprits. Alors la tentation de la part de l'État est là, mais moi, je reste... d'abord, je suis écrivain, mais je reste grand reporter et journaliste dans l'âme. Je crois qu'on le reste toute sa vie, parce qu'on a une passion pour les autres et pour l'information. Et je crois qu'il faut résister. Tout le monde doit résister parce qu'il ne faut pas qu'il y ait, on va dire, d'ingérence au sens politique du terme sur tout ce qui est éthique, déontologie du journaliste. Et je crois qu'en France, on est assez équipé quand même pour ça, même si évidemment il y a à redire, et tant mieux, il faut que ça progresse. En tout cas, il y a des chartes, il y a des déontologies, il y a des journaux qui se sont organisés. Les journalistes ont tous une sorte de code de l'honneur, j'allais dire, mais pas au sens de la fierté. Sur la protection au sens de la protection des sources, au sens de la défense de notre métier, etc., ou de nos métiers, au pluriel. Donc oui, je crois qu'il faut s'organiser pour ne pas être... on va dire, récupéré par le pouvoir. Olivier Weber, vous êtes correspondant de guerre, vous êtes romancier, vous êtes écrivain, vous êtes un homme de mots, vous avez commencé à lire quand vous aviez 8 ans, vous avez découvert Cervantes, et puis Conrad, et puis dans votre bibliothèque idéale, il y a évidemment... Je dis ça pour les auditeurs allemands. Et Goethe, pour nos amis allemands qui nous regardent à 2h du matin. Et puis il y a dans votre bibliothèque idéale, évidemment, Kessel, et puis Malaparte, et puis tant d'hommes, mais... Où sont les femmes ? Ce n'est pas un angle mort. Parmi les grandes aventurières écrivaines, il y avait quand même Ella Maillard. Oui, Ella Maillard, j'ai fait une biographie sur elle, bien sûr. J'ai fait une biographie Isabelle Emmerhardt, Anne-Marie Schwarzenbach. Tout à fait. Elles existent, absolument. Ah bon ? Moi, j'ai fait une biographie sur les 4 que j'ai pu faire, donc une sur les 5 même, une sur Ella Maillard. Et Martha Gellhorn, absolument. Il y a une très, très belle autre biographie. Gerda Taro également, qui elle était photographe de guerre et la compagne de Capa, et la première femme tombée à 27 ans. Elle était belle comme tout, d'ailleurs, au champ d'honneur. C'était donc pendant la guerre d'Espagne à Brunete en 1937. C'est d'ailleurs le poète Raphaël Alberti qui recueille son corps et Aragon qui l'avait envoyé pour son journal de l'époque. Non, il y a d'autres femmes, il y en a plus aujourd'hui. Elles sont courageuses. Moi, je vois sur le terrain, elles sont formidables. On les voit là d'ailleurs. Je suis admiratif, moi, parce que c'est doublement dangereux. Parce qu'évidemment, une femme est exposée en tant que femme dans des terrains en plus souvent comme ceux du Moyen-Orient que vous connaissez. Et donc, il faut leur rendre hommage. Mais de meilleures plumes que moi l'ont fait. Donc, je leur rends hommage également. Et vous, l'hommage que vous rendez chez Plomb, là, avec ces quelques centaines de pages brillantes et aimantes, c'est un hommage à Joseph Kessel. Voilà, votre modèle, peut-être. En tout cas... Oui, je dirais un grand frère. Alors, c'est pas une hagiographie. Encore une fois, c'est la moitié sur Kessel et le reste aussi sur les expéditions, le journalisme aujourd'hui et le roman. Il y a plein d'entrées. Il y a aussi des entrées sur la drogue et sur l'alcool. La cocaïne, on n'a plus le temps. Et puis, c'est aussi l'Afghanistan, c'est le Yémen. La cocaïne, C'est un grand preneur de drogue. Et Belle de jour, mais on n'a plus le temps. Et donc, on voit aussi la dénonciation des violences faites aux femmes. Moi, ce sont des thèmes qui m'inspirent. Parce que malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Deux mots, je suis allé couvrir pour Le Point et France 2 la guerre au Soudan, mais c'était l'esclavage sur
lequel j'ai enquêté, en fait, ça n'a pas changé. C'était, on va dire, l'enquête des années 30 de Kessel, qui avait 32 ans, et que, comme fixeur, on pourrait dire aujourd'hui accompagnateur, Henri de Montfrey, c'est assez chic. Mais oui. Malheureusement, un siècle après, on est dans le même marasme de l'esclavagisme au Soudan et en Éthiopie. Donc il faut continuer à dénoncer, à écrire. Merci Olivier Weber. Merci à